Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une procédure de survoltage sécuritaire dans le but de dépanner un véhicule qui serait en panne, sans qu'il arrive d'accident, sans explosion, sans étincelle. C'est simple, c'est facile. Regardez-nous aller. Pour débuter, on doit brancher la pince rouge sur la borne positive de la batterie du véhicule en panne. On doit retirer le couvercle de protection. La deuxième étape, brancher le pince rouge de la borne positive sur la batterie du véhicule donneur. Troisième étape, brancher la pince noire sur la borne négative de la batterie du véhicule donneur. Quatrième étape, brancher la pince noire sur le châssis du véhicule en panne. Cinquième étape, démarrer le véhicule donneur. Sixième étape, démarrer le véhicule en panne. Laissez les véhicules branchés pendant quelques minutes sans éteindre le moteur. Par la suite, il faut débrancher les câbles dans l'ordre inverse du début. Septième étape, débrancher la pince noire du châssis du véhicule survolté. Huitième étape, débrancher la pince noire de la borne négative de la batterie du véhicule donneur. Neuvième étape, débrancher la pince rouge de la borne positive de la batterie du véhicule donneur. Dixième étape, débrancher la pince rouge de la borne positive de la batterie du véhicule survolté. N'oubliez pas de remettre le couvercle de protection des bornes positives. Il ne vous reste plus qu'à ranger vos câbles.